Mon sentiment aujourd'hui, c'est que les garçons sont prêts. On a tous hâte d'être sur le terrain, d'être le jour J. Donc voilà, maintenant, il faut travailler un petit peu sur la nervosité, sur le calme, quant à l'enjeu de ce match. Donc voilà, c'est, notre tâche est essentiellement là. Apparemment, cette équipe de Brest, ça fait déjà quelques années de suite où elles vont en demi-finale. Donc elles axent, je dirais, une partie de leur saison sur cette Coupe Gambardella. Donc effectivement, ça sera un match très difficile, mais ô combien intéressant quant à leur formation de ces jeunes pour leur avenir, quoi. Donc des matchs de haut niveau, c'est toujours intéressant de les jouer. Le discours, c'est d'axer notre attention sur le jeu, tactiquement et individuellement, et non pas sur l'enjeu, où on se doute bien quelle est la finalité, mais déjà d'essayer de bien faire, d'être appliqué tout au long de ce match, qui sera forcément, quand c'est à peu près de valeur égale, l'erreur sera fatale, bien évidemment. C'est une image pour le football en général, puisqu'on assiste à quand même à de belles compétitions. Et puis bien sûr, pour les stades, l'idée pour nous, c'est de porter haut les couleurs du club. Donc forcément, pour l'instant, on est dans les clous. Je sais que depuis quelques années, d'abord, beaucoup de bon nombre de gens nous suivent, aiment ce club, aiment le football. Donc on sait, lors du dernier match, que vous aviez mis un écran géant et qu'il y avait une foule intéressée. Donc oui, on sait qu'on est suivi et on espère apporter un maximum de bonheur à tous ceux qui aiment le club et qui aiment le football.